Mais même sans le sport, elle a perdu 10 kilos en même temps que moi. Quand je l'ai pris et que je me suis lancée, et là, j'ai fait, ah ouais, mais là, ça change. Ah ouais, oh bah, je regrette pas. Alors, dès le premier jour, j'étais refaite. La problématique, c'est que j'essayais tout le temps d'avoir la forme, en fait, de rester engagée quand je voulais faire du sport. Je voulais tout le temps sortir, mais j'avais jamais la motive. Je voulais absolument perdre cette bedaine que j'avais au niveau du ventre qui ressemblait au fur et à mesure à un deuxième cul. Ok, d'accord. Et t'as pas l'envie, t'as envie de le faire, mais t'arrives pas à t'y tenir en fait. T'es pas motivé pour le faire, tu sais pas quoi manger, tu sais pas en quelle quantité le manger, tu sais pas non plus quand le manger, quand est-ce que tu dois arrêter, donc t'essayes tout. T'essayes plusieurs programmes, tu les payes parce que bah, forcément, on te montre des images qui te donnent envie, mais on t'explique pas forcément tout le procédé. Tu sais pas au final si tu vas avoir un soutien constant et un soutien vraiment par message ou si c'est juste des petites personnes qui viennent te parler ou si c'est vraiment la personne. Et t'es un peu perdu parce qu'on te dit il faut faire comme ça, mais en même temps on te dit pas pourquoi, quels sont les bienfaits que ça va apporter à ton corps. Et tant que tu sais pas ça, en fait, et ben, t'y arrives pas, quoi. Tu vois tout le temps des nouvelles personnes qui défilent et qui te disent ah, tu veux perdre du poids, tu veux ceci, allez, fais moins 12, fais moins 15. T'as It Works, t'as tous les petits trucs comme ça aussi à côté qui vendent des boissons, c'est super, c'est miraculeux, c'est à base de café, c'est machin. Et au final, bah, tu offres ton argent aux personnes, quoi. Clairement, parce qu'ils ne te disent pas que c'est que chaque corps réagisse différemment. Voilà. Donc, tu y vas les yeux fermés et puis tu attends de voir. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, avec Thomas, je vais y aller, je fonce et c'est parti? Mais parce qu'au tout début, en fait, déjà, juste quand... ce qui m'a intriguée, moi, c'est que je suis tombée sur une de tes vidéos qui disait, si tu veux avoir des abdos, t'as pas besoin de faire des abdos. Si tu veux avoir un ventre plat, tu as pas besoin de faire en fait des abdos pour avoir un ventre plat. Faut déjà que tu commences par ta nutrition. Déjà tu te dis ouais bon bah j'ai essayé le jeûne intermittent, ça a pas fonctionné. J'ai essayé ça, ça a pas fonctionné. J'ai essayé un rééquilibrage alimentaire qu'on m'a montré sur internet, ça a pas fonctionné. Qu'est-ce que lui il peut m'apporter de plus? Donc du coup je suis allée feuilleter un peu sur ton Insta. J'ai vu pas mal de vidéos. Ensuite j'ai vu pas mal de personnes donc qui témoignaient. Et que du coup, bah, tu fouines, hein, tu vas regarder et tu te rends compte que bah, les personnes, oui, c'est vrai, elles ont perdu comme ça. Et puis, c'est en temps de temps. Et tu sais, le web, c'est ça. C'est tout le temps, tu vas fouiner, tu vas essayer de chercher la petite erreur, la petite bête. Et en fait, quand tu fouines et que tu ne trouves pas l'erreur, tu dis, mais c'est pas possible. Normalement, il y a tout le temps des erreurs sur Internet. Je ne comprends pas. Donc, tu regardes et tout, tu parles. Et puis après, bah, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et j'ai entendu une ou deux personnes aussi qui avaient fait justement ton programme et qui m'avaient dit « Oui, alors moi, j'ai perdu du temps ou j'ai minci ou ceci ou cela. » Et bon, chacun a des rythmes différents, c'est normal, ils ont des corps différents. Et du coup, je me suis dit « Bah écoute, je vais quand même regarder un peu plus amplement, je vais quand même un peu plus chercher. » Et puis après, bah, je voyais toi aussi ce que tu montrais. Puis c'est bien parce qu'on te voit aussi dans tes vidéos, toi, faire tes exercices. Et puis ensuite, comparer avec d'autres personnes, et on voit justement les témoignages que tu fais avec d'autres personnes, et c'est un plus que les autres n'ont pas. Bah, c'est cool, c'est top. Donc, ça veut dire que malgré toutes tes recherches sur moi, tu te dis, en fait, il n'y a, y a pas un accro. En plus, j'ai deux personnes ou deux, trois personnes qui me disent, j'ai réussi ou j'ai perdu des choses. Tu te dis, mais en fait, c'est une copie parfaite, malgré tout le scan que tu as pu faire. Tu te dis, bon, bah, je me lance. Et voilà. Et j'ai mis à peu près deux mois et demi à me décider parce que je me suis dit bon là je vais aussi payer, j'en ai payé d'autres, il n'y avait rien qui arrivait à me motiver et tout. Et quand je l'ai pris et que je me suis lancée, et là j'ai fait ah ouais mais là ça change, ah ouais, oh bah je regrette pas. Alors dès le premier jour j'étais refaite, franchement. Déjà juste le fait de voir que quand on va faire le sport, on t'a toi déjà en vidéo qui nous présente les exercices, qui nous dit ça va se passer comme ça, c'est comme ça et tout machin, faut faire comme ça, attention de pas aller trop loin, attention, ça va travailler tel muscle et tout. Alors déjà juste ça, c'est super motivant, mais en plus de ça, on fait les exos en même temps que toi. Et le plus important pour moi, c'est que dans ton programme à toi, c'est sans cardio. Et sachant que moi j'ai des problèmes au cœur, et ben j'ai trouvé mais un vrai plaisir en fait à faire les exos que tu nous faisais faire, sans que je monte en tachycardie ou que je sois pas bien ou quoi que ce soit. J'ai quand même eu le fessier qui s'est remonté, j'ai quand même eu les cuisses qui ont fondu et qu'on distingue entre guillemets le muscle sur le côté et tout.
J'ai découvert des muscles que je ne connaissais pas. Et en plus, après, avec le groupe qu'il y a sur Facebook, ben, c'est encore mieux parce qu'on s'entraide tous, ça nous motive tous. En plus, toutes les semaines, tu refaisais des petits messages pour qu'on vienne, pour qu'on s'entraide. Et ça, franchement, c'est encore plus motivant. Ça fait vraiment famille, ça fait vraiment groupe. C'est comme si on allait tous ensemble à la salle, sauf qu'il y a Covid, donc on reste chez nous. Mais tu vois. Et sur la partie alimentation, comment tu t'es retrouvée là-dessus? Ouais, c'est... Alors moi, j'adore cuisiner, j'adore la bouffe, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai regardé tous les détails. J'ai fait le calcul des calories par jour, grâce au mode qu'il y a sur ton site. Donc, j'ai trouvé le nombre de calories, j'ai pris justement le plan d'alimentation. Et sur le plan d'alimentation où tu avais les exemples de semaine, et ben, j'ai fait ces exemples-là de semaine, déjà pour commencer. Je me suis dit, je verrai après si je veux changer les goûts ou tout ça. Et en fait, je suis tout le temps restée sur les deux plans de semaine que tu avais fait, parce qu'ils sont incroyables, je te jure, c'est un truc de fou. Mais le mélange des aliments et des goûts, c'est ouf. Tu te dis pas que t'es en train de manger sainement, je te promets. C'est impressionnant. Ah, moi, ça m'a tué, parce que j'en ai fait goûter autour de moi. Donc ma mère a participé à ce challenge-là et elle a perdu autant que moi, voire plus, parce qu'elle continue encore, tu vois, donc à le faire à côté. Bon, elle ne fait pas de sport parce qu'elle a un problème de santé, mais même sans le sport, elle a perdu 10 kilos en même temps que moi. Je commençais à voir pareil que ses fringues, ben hop, ça commençait à défendre. À son travail, elle avait une blouse qui la serrait et tu l'as... en même pas un mois, elle a demandé à limite à faire changer sa blouse parce qu'il y avait deux tailles de trop. Elle a 60 ans. Ah, donc tu vois, en plus, donc, tu m'as dit, elle a perdu 10 kilos, elle a 60 ans elle a des problèmes de santé. Et puis le pire, c'est même pas le pire, c'est le mieux, c'est qu'on se prive pas. C'est ça qui est ouf. Et ça, avec tous les petits gâteaux aussi que tu nous fais là, le cake à l'avoine et à la banane, les petites boules au chocolat, la amande, une dinguerie, celui au fromage blanc citron, je t'en parle même pas. Tu regardes le nombre de calories qu'il y a marqué dessus, tu te dis non, mais c'est pas possible, le gâteau, je vais me le péter aujourd'hui en fait. Non, c'est pas possible que ce soit aussi bon que ça et que ça fonctionne. Bah si, en fait.